aujourd'hui, on a pour vous une vidéo très spéciale. Yeah! On va faire le challenge. Ne choisis pas le mauvais jus ou bois. Le but est de ne pas choisir la mauvaise boisson. Et comment ça fonctionne? On a ici trois verres. Deux avec de bonnes boissons et le troisième avec un truc dégoûtant. Si tu choisis le mauvais, devine quoi? Tu as perdu. C'est parti pour le challenge. Très bien, tu es prête à perdre? Parce que je vais choisir tous les bons pour moi. Hey, c'est impossible. Manche numéro 1. Je suis la reine du LOL. Ok, je commence et j'ai choisi un verre. Ah oui? Ça signifie que je boirai en première? Bon, Adri, tu es prête? Rappelle-toi, un mauvais verre... Oups. Et deux bons verres. Avec lequel vas-tu commencer? Je vais commencer avec ça. C'est de la sauce piquante. Sauce piquante? Ok, on va en mettre des tonnes. Oh les gars, je suis très nerveuse. Car Adri et Pucci sont de gros farceurs. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent y en mettre dans ces verres? Et si on a les pièces qu'ils font? Venez, regardez, ils sont là. Voyons voir si on peut les espionner. Mais Adri, qu'est-ce que c'est? Piquante. Tu en as mis une tonne, c'est pas vrai? Oui. Adri, regarde, Lala nous espionne. Adri, regarde là. Il faut que tu rajoutes un peu plus de liquide à la sauce. Oh oui, c'est vrai. Sauce piquante et jus de tomate. Wow. Et maintenant, mélange bien le tout. Mélange, mélange, voilà. Ok, place au bon verre maintenant, d'accord? Bien. On peut mettre un peu de... yaourt à la fraise. Oui. Et le troisième verre, c'est... du miel? Oui. C'est vrai que le miel, c'est bon. Allez. Je pense que c'est bon pour moi. Ok, on est prêt. Allons voir Lala. Elle va me servir de la sauce piquante. J'en suis sûre. Oh mon Dieu, ma langue va me brûler toute la semaine. Oh, sale gosse. Les amis, regardez ça. Ici, on a un peu de miel. Ici, un peu de yaourt à la fraise à la sauce piquante. Et là, un jus de tomate avec beaucoup de piquant. Plein de sauce piquante. Oui. Oh, pourquoi tant de mystère? Pourquoi tu les as couverts? Tout ça. Oh, non, je te fais pas confiance. Après toutes ces farces que tu me fais, je te crois plus. Non, non, non. Ok, alors goûte celui-ci. C'est quoi ça? Du jus de tomate. Ah, attends, t'as la sauce piquante. Ah, petit garde-mort. C'est tellement... Allons-y, allons voir le bon. Oh, non, le verre me fiche les jetons, je ferais mieux de prendre lui. Ouais. Ok, manche numéro 2. On va commencer par le bon verre. Adri aime, adore, raffole tellement de Coca-Cola. Alors mettons-en un tout petit peu. Gardons-la en sourdine, car les murs ont des oreilles et celles d'Adri sont comme celles de Dumbo. Pour le deuxième bon verre, on va mettre... un peu de ça. Le sirop de ses prunes. Je sais qu'elle n'aime pas les prunes, mais elle aime sûrement le sirop sucré. Et maintenant, mettons... ajoutons des épruits avec un mélange de poivre. Ok. Mais juste un œuf, c'est pas assez. Mettons-en un deuxième. Assaisonnons l'œuf. Si elle choisit celui-ci, elle va me tuer. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire votre préféré. Lala, Pochi, moi ou Christian? Voilà pour toi, petite fripouille. Je suis sûre et certaine que tu vas me mentir. Non, je te dirai rien. Tu vas devoir choisir par toi-même. Je sais que celui-ci, c'est des mauvaises cerises. Prends pas, beurre. Fais goûter celui-ci. Espérons qu'il soit bon. Tu vois? Alors, c'est pourquoi tu as mis ça dans mon verre? Et là, toi,
Les gars, celui-là n'est vraiment pas bon. Je n'aime pas ça. Mais ceux-là sont certainement les bons, crois-moi. T'as déjà choisi le mauvais. Quelqu'un. J'en étais sûre. De la souris. C'est parti pour la troisième manche. Je vais le mettre là. Je sais. Je vais mettre des cornichons. Regardez, elle est là. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que cette manche ne va pas bien se passer pour moi. Car si Adri sait bien faire quelque chose, c'est prendre sa revanche. Les cornichons. Mon Dieu. Aïe, aïe. Ça sent vraiment pas bon. S'il te plaît, concentre-toi. À l'aide, cliquez j'aime sur cette vidéo. C'est l'heure des j'aime. Oh, j'espère que je vais choisir les deux bons ou je suis morte. Car le mauvais va faire l'effet d'une bombe. On peut mettre un peu de ça. Pêche et jus de raisin. Délicieux. Mon préféré. Et pour finir, les bons verres. Oh, je sais, on verse ça. Quelques œufs en chocolat. Et avec des fruits. Bon, on a déjà le mauvais. Car c'est une boisson piquante. Des cornichons piquent. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ah, j'ai une idée. Le ketchup des frites de McDonald's. Chocolat et ketchup. Pignon. Je crois que c'est le meilleur verre, les gars. Celui-là, c'est un mélange de raisin et de pêche. Et ça, c'est des cornichons acides. Et celui-là, c'est du ketchup avec du chocolat et des framboises. Oh, je suis pas prête pour ça. Bien, on tente tout pour le tout. Tu dois aspirer celui du milieu. Non, la dernière fois, tu m'as conseillé. Je ne vais pas te croire. Car ma bouche me brûle encore. La vraie vérité, vraie pour de vrai. Ok. Je sais pas. C'est des cornichons acides. Pourquoi tu te moques de moi comme ça? Oh mon Dieu, c'est trop acide. Ok, c'est le mauvais. Oui, celui-là est bon. Et c'est celui-là. C'est un mélange raisin-pêche. Très bien, j'ai réussi. Ok, et c'est ça maintenant. Bien, mais goûter les trois ne fait pas partie des règles. Ketchup, oui, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais. Mais... c'est vraiment bon. C'est sucré. Oh mon Dieu, regardez cette tête. Tu as cru que je n'aimerais pas, hein? Celui-là a plus de chocolat et de ketchup. Quoi? Mais c'est dingue, non? Et voici la dernière manche. Rendons les choses intéressantes. Dans le premier verre, on va mettre... du jus de citron. Dans le deuxième, du yaourt à la fraise. Elle va adorer le yaourt à la fraise, j'en suis certaine. Et dans le troisième, on va verser ce qu'elle boit chaque matin. Du lait. Avec du chocolat. Ta-da! Tu es prête, chérie? Allez, allez, non, non, t'as pas le droit de boire, espèce de fouine. C'est bon. Goûte. C'est piquant? Non, non, je te dirai rien, juste goûte. Je vais goûter celui-là. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat. J'ai gagné. T'as gagné un point, mais il reste encore deux verres. Je te le dis. Celui-là. Je sais pas. Essaye, vas-y. Tu peux deviner ce que c'est? Du yaourt. Trop de chance. Tu goûtes pas? Devine ce que c'est. Non, c'est le mauvais. Mais tu devrais quand même goûter. J'ai déjà gagné. Tu m'as juste dit deux. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Des jus de citron. Oh mon Dieu, je m'en suis sortie. Flou. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était super amusant et super piquant. Hein? Et je partage avec vous mon lol. Bien sûr. À la prochaine vidéo. Et à plus. Bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous.